c'est encore un grand plaisir pour nous rencontrer dans le cadre vidéo Parole pour vivre plus bien. C'est toujours un plaisir pour moi. Je souhaite que le plaisir la partager. Aujourd'hui, nous allons parler de un bagage qui détruit bon relation qui marie. Et les considérer comme une bombe à retardement. C'est les accès de colère. Colère, c'est un bombe à retardement qui éclate n'importe côté et qui pas réellement besoin de gagner des raisons trop valables. Surtout si un monde s'est consalié, c'est un monde qui fait colère facile. Il fait colère pour n'importe bagaille. Et comme son bombe à retardement, il éclate de l'autre côté. Bon, alors, ça que fait mon en colère? Mon en colère parce que il sentit que ou fait le bagaille. Et colère là, c'est comme une punition pour pas continuer et faire sale pensée qui offense là, qui blesse là. Et le mon en colère, ou pas qu'à réfléchir, colère là est anéanti capacité de juger, de réfléchir. Et le monde en colère, les capables graser, briser. Colère la manifester dans parole que moun n'a dit, parole piment bouc, parole qui pas cadré vrai avec moun que parole l'a adressé. Que le parole yon moun dit yon moun, wakmando, si moun sa, c'est madame ni vrai moun sa e, si c'est mari le vrai, qui j'en fait dire un bagay comme ça? Eh ben, colère pas résonner tout. Et le monde n'a pas accès, il fait crise colère. Il dit n'importe quoi. Bon, alors, il manifeste par parole blessante. Il manifeste par geste. Il y a un monde en colère, il frappe le monde. Il bat le monde. Il dit la tuer. Et le monde en colère, le monde non seulement fait des gestes, nous t'avons dit violents, dit paroles violentes, eh bien, lui agit tout sous les objets. Gemoun qui pas qu'à frapper Mario ou y pas qu'à frapper Madame yo, eh bien, c'est bagay qui n'en caille là, y crase bœuf, y crase vaisselle, y crase téléphone. Surtout si tu as un message que tu ne comprends pas trop bien dans le téléphone. Vous connaissez insulte, menace de mort, geste, nous avons dit, violent, eh bien, c'est autant de réactions comme nous sommes doux que au monde qui a accès de colère. L'autre façon, tout le monde n'est capable de montrer colère. Li, de retirer privilège pour nous jouer, surtout si ça dépend de lui. Nous connaissons des gens qui baillent madame yo carte de crédit ou bien baillent Mario accès à carte bancaire, et bien par colère, et bien ils retirent le carte là dans les gens. Ils retirent accès pour nous et gagner et non affaire et carte bancaire. Donc bloquer au monde, parfois c'est travail là, mounan li fait madame ni perdu travail là, par un accès de colère, et parfois tout, vice versa, fia tout capable de faire de, non seulement menace que la fait mari perdu travail là, mais par un accès de colère, li capable de faire coup de téléphone, ou li capable aller dans le bureau mari et dire des choses. Mais ça est réellement grave. Donc, alors, c'est un tempérament, nous t'as dit que c'est un trait de tempérament, et c'est malheureux, l'on marie à un monde qui a un trait de tempérament, ça, qui toujours a fait crise colère, nous n'avons toujours à éclater, comme nous t'as dit, un tonnerre, éclater son tempête qui a passé, qui a ravagé toute sa joie. Le côté la passé. Bon, alors, le par exemple, vous mettez en colère contre le monde, son message, que vous voulez ou non, que vous ne pouvez pas le calmer ou non, eh bien,
c'est un message, nous t'a dit, qui montrait que ou pas protéger l'autre monde. Ou pas protéger sensibilité. Ou pas respecter le monde. Et vous connaissez ça fait, et ça c'était le monde qui fait là, mais le monde qui a subi là lui-même, il sentit un sentiment d'insécurité, leur ou dit parole comme ça, leur ou bal menace comme ça, il sentit un sentiment d'insécurité, de peur, de honte même. Et parfois même, il sentit le coupable, même l'elle pas coupable. Non, sentit le coupable, même l'elle pas fait rien pour le coupable. Alors en parlant de honte, gen de moun le yo gen aksè de kolèr la, yo fè gro boui, yo pale fò, voisinaj ap tande, ti moun ap tande, e kom nou di ke, son bagay ke moun nan pa ka kontrole. Li pa ka kontrole li, pòske li eklate nèmpot lè. On lot bagay ankò ke kolèr fè, le par exemple, yo gen aksè de kolèr kont yo moun, ou retire nan l'amou ke moun nan gen pou ou, l'amou romantik, nou te pale de bank d'amou, unité ke wap mette nan bank la, eh bien, se retire ou retire dans sa moun nan te gen pou ou comme estime, comme appréciation. Comment nous réagit le moun ki marie avou la en colère? C'est pour prendre patience, pour ka comprendre le comportement avant pour réagir. Mais encore nos bagay, si yon moun menace pour le tuer et de répéter ça, pas même mal chance pour le doler plus que deux fois, et même deux fois même. T'es qu'il madame oh, qui Marie t'a menacé pendant deux fois que l'a tué. Et puis madame n'a divorcé avec Marie. Il t'a fait une menace que l'a tué. Vous connaissez l'église, madame, non? T'es blâmé, madame, non? Il disait pour t'être rétabli avec et Marie, balayons notre chance encore. Nous connaissons que parfois, dernière chance ou bail là, c'est la mort ou provoquer. Gan pil moun ki enfirm, gan pil moun ki mouri, paske yo te bay yon denye chans. Fò pa bay denye chans la. Yon moun ki kolerik, nap bo kelke konsey. Anvan ke ou pale, anvan reagi, pou ti mouman de refleksyon, avon reagi. Evite pale tout suite. E pi ou konen, bagay ki fe ke ou fache ya, banaliser li pa bal importance ou konn pou ki sa parce que mal ko pral fè lò an kolè la tellement nou ta ka di c'est un mal ki détruit l'autre là c'est un mal ki choque l'autre là ki blesse mieux vaut que ou même ou pran bagay la an se de rien ou pa bal tout importance. OK, bon, alors nou gen nan Galate chapitre 5 qui parlait des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit et qui c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça nous citait là, nous joignons dans l'amour romantique. Et l'amour romantique, c'est un amour plein de tendresse. Yo amour qui gagne parole douce, c'est un amour qui fait des actions équilibrées, c'est ça la tempérance, ou pas pencher trop à droite, pencher trop à gauche, ou équilibré. C'est un comportement, par exemple, ou gagne amour romantique, ou bon, pas qu'on est sous expérience à moun qui bon, même fait expérience à moun qui bon. Et me comprendre ça, texte là dit, les dit, soyez bons les uns envers les autres. Au monde qui est bon, il est tout prêt pour l'aider. Au monde qui est bon, il est tout prêt pour lui deviner ça capable de faire plaisir, ça capable de bon bien-être. Il n'y a pas même besoin de dire ça même, non? Il a senti que il doit agir dans telle circonstance parce que on a une difficulté. Il doit aider, il doit faire quoi content. Li ekye moun pou la, patnyo la, li ekye de skou lwe min nan fron. Tout suite li pense a ou problem kou gen, el ap chèche konen koman l kapab rezoud li pou. La Bib do toujou di li gen
en pile, et nous t'as dit conseil pour toutes circonstances. Toutes circonstances. Dans les gens qui ont accès de colère, les gens qui sont tout prêts pour éclater, n'importe là, et n'importe côté. Et parfois, même si pas seulement dans le foyer, si les gens ont subi accès de colère, il y a des gens qui battent petit lit avec violence. C'est au monde qui a accès de colère. Et si on subit paroles violentes que parents abdi, et paroles qui vous voyez l'autre bord tomber à terre, qui de paroles au monde, ou pas qu'elle est campée tant que paroles ça, c'est comme si on a voyé ou les poussons vous tomber. Si on vit une situation ça, et yon ti moun kap levé dans le foyer, côté soit tous deux parents, c'est dommage pour tous deux d'apprendre ça, ou bien yon là-dedans, toujours a fait crise scolaire, et bien ti moun ça l'a développé une certaine peur, la kaeli, pour lui prendre certaines responsabilités. La paix moun, l'a toujours pensé que moun est pas content avec lui. Il toujours pensé que il fait un bagage mal et que il va le blâmer. Il pas réellement et gagne estime pour tête lui. Donc si moun subit et parfois même autorité à tout voisinage des problèmes tout l'a fait scandale comme ça la caillou. Me rappelle même que un voisin qui était ben moins en pile que sauter. Le madame né après relé dit même pour un couteau là, oui, mais là, il a un couteau sous moi. Nous avons commencé à dire avec les compagnons, hein, nous devons faire un bagage, nous ne pouvons pas arrêter là, faut nous traverser. Parce que si nous avons un bagage fait, nous sentons-nous coupables de ce que nous n'avons pas fait. Rien. Donc, colère là, il n'est pas mesuré ça, nous devons faire. Il fait des choses réellement, nous ne sommes pas de l'amour, nous ne sommes pas d'infirmité. Alors ça c'est sous comme on a des anti-moun, mais parfois c'est l'esprit moun infirme, c'est l'esprit moun traumatisé pour la vie. Bon alors avant que nous agissions, mon conseil répéter Galates chapitre 5 ça, verset 32, pour sentir comment on doit comporter le bagage passé. Leur pensée au bagage, leur croyance au bagage. Prends le temps pour dire que qui fuit l'amour, qui fuit l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur. On nous cultiver unité ça, nos relations nous avec moun, n'a fait vivre. Parce que out la longue et mariage sont bagages qui peuvent durer jusqu'à ce que la mort sépare, sont bagages qui peuvent durer. Donc nous devons autant que possible calmer nous. Et dans le cas où, par exemple, c'est réellement un bagage qui est très fort dans le tempérament, on doit chercher aide. Nous t'avons dit que parole bon Dieu t'a aidé en pile pour corriger. Mais on est capable de prendre conseil tout un psychologue qui est capable d'aider à maîtriser l'accès de colère. C'est un plaisir pour nous de passer ce moment ensemble. Nous souhaitons nous rencontrer encore bientôt pour une autre parole pour vivre plus bien. Si vidéo ça te fait plaisir, abonnez-vous avec nous, cliquez la cloche là, partagez avec des amis et faites des commentaires.